te protégerai quoi qu'il arrive, Bibi Oslo. Je t'en fais la promesse. Le soleil se lève. Oh, heureusement. On peut y aller, je pense. Ou non, on monte ou pas? Qu'est-ce qu'il faut là? T'as pris ce qu'il fallait, donc on y va. Sauf que ce lever de soleil est un peu gâché par les zombies, tu vois. Moi, je te dis, cours, mon gars. Regarde tout ce que t'as autour, là. Grenade. A échappé à un enfer et j'espère que t'en as pas trouvé un autre. Thank you.
Quoi ce bordel? Ernesto. Bibi? Oh putain, j'ai cru que t'étais mort. T'étais passé où? Tu rigoles? Je t'ai cherché partout. Une fois que j'ai trouvé de l'essence, je suis tombé sur un groupe de personnes. C'est ceux qu'on connaissait au bunker. C'est le groupe de celui à qui te donnait ton armure? Ouais. Alors j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Ils sont tous morts. J'ai rencontré un ami sur la route et on a trouvé leur cadavre. Enfin bon, t'aurais dû la garder ton armure. Je te le fais pas dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va? Ouais, t'inquiète pas. Tu te fous de ma gueule? T'es blanc comme un albinos. Mais non, ça... ça va aller. Ah, ça a pas l'air d'aller, pas du tout. Est-ce que tu me cacherais pas quelque chose? Non. Tu te fous pas de ma gueule, Bibi Oslo. Je t'assure que ça va, t'inquiète pas, je suis en pleine forme. Y'a rien, bordel! Lâche-moi! Je suis désolé, Ernesto. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Non, je parle pas de ça. De quoi tu parles? Regarde. J'ai été mordu. T'as pas eu du mal à rentrer au bunker? Arrête d'ignorer ce que je te dis. Je t'ai posé une question, ce serait bien que t'y répondes. Ernesto, bordel, j'ai été mordu! Mais ferme-la, putain! Ça fait 2 jours. On va trouver une solution. Je vais te remettre sur pied, mon pote. Ernesto, tu sais aussi bien que moi qu'il n'y a aucun espoir. Bibi, depuis des générations, on a trouvé un remède contre le sida et le cancer. On va certainement trouver un remède contre ce virus de taré. Ça fait plus de 100 ans que le virus a détruit notre civilisation. On n'a toujours pas découvert le moindre remède efficace à cette maladie. On va te soigner. Que tu le veuilles ou non, tu peux pas mourir. Pas comme ça, laisse-moi... Me laisse pas seul. Tu sais très bien ce qui va se passer, Ernesto. Non, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Si tu acceptes de mettre fin à mes jours, je souffre. Mais t'es dingue. Je ferai jamais une chose pareille, surtout pas à toi. Vaudrait mieux que tu le fasses, si tu veux pas que je me transforme en ces choses dehors, là. Pitié, me laisse pas me transformer en zombie. Ernesto, vaut mieux que tu le fasses. Fais-le pour moi depuis le temps qu'on se connaît. Ce serait mon dernier caprice. Je refuse de vivre sans toi. J'ai toujours été là pour toi. Et je compte l'être à jamais. Pour moi, la vie, c'est toi et moi, Bibi Oslo. Toi et moi. Fais-le avant qu'il soit trop tard. Je suis content d'avoir vécu à tes côtés. Jusqu'à la fin, mon ami. Jusqu'à la fin.
Oh, tu portes encore cette merde. Écoute, Ernesto, j'aime bien ce costume, alors je le garde pour l'instant. Puis, il me va bien, non? Non, pas du tout. Bonjour, je me nomme Ernesto. Ce message s'adresse à tous les survivants qui entendront ce message. Si vous entendez cela, écoutez-moi bien attentivement. Si vous n'êtes pas seul, ne vous séparez jamais. Jamais. Ça pourrait vous causer bien du mal. Et bien plus que vous le croyez. Ça a été mon cas. J'ai perdu tous ceux qui me sont chers. Si vous entendez cela, chers collègues vivants, répondez-moi de ce pas. Je ne peux pas continuer à vivre seul, ou je serai dans l'obligation de mettre fin à mes jours. Adieu, monde cruel. Ceci est un message de la communauté d'Epsilon. Tous les survivants des continents Alpha, Beta, Gamma et Delta peuvent nous entendre. Ces dernières semaines, nous avons observé l'ampleur de la maladie, qui nous semble incombattable. Personne n'est encore sorti du bunker Epsilon, et pour cela, nous aurons besoin de vous. Vous, survivants, êtes déjà préparés à ce qu'il y a dehors. Et c'est en unissant nos forces que nous pourrons arriver à coloniser le continent Epsilon. Avec des gens plus préparés et plus doués, nous sommes certains de vaincre les infectés. Pour nous assurer de votre venue, nous avons décidé de faire exploser la surface de vos continents à l'aide de bombes atomiques. Pour venir, il vous suffit de vous rendre dans le bunker où vous êtes né, et vous y trouverez des galeries souterraines qui vous permettront d'atteindre le bunker Epsilon. Vous avez 3 jours pour y parvenir. Bonne chance. Terminé.